Bonjour et bienvenue sur notre.fr. Dans cette vidéo, nous allons remédier au problème de l'explorateur Windows qui fige. Donc, on va lancer notre base de registre. Gedit. Il faut savoir en fait, quand l'explorateur fige, l'ensemble de la machine se bloque, comme on le constate d'ailleurs souvent. Sachant cette astuce, elle va nous permettre en fait de lancer l'explorateur au sein d'un autre processus indépendant. Donc c'est pour ça qu'on va créer en fait une nouvelle valeur, en fait une nouvelle valeur de world qu'on va la renommer et puis on lui donne une valeur. Comme ça, au redémarrage du système d'exploitation, ça va nous permettre de que l'explorateur soit géré, l'explorateur de bureau soit géré par un autre processus indépendant. Comme ça, ça nous évitera en fait le figeage de l'explorateur. Alors, nous on va lancer en fait le hk-user et puis on va aller dans software et puis Microsoft. Et puis dans Windows. Puis dans current version et puis on va aller dans Explorer. Là on voit il y en a beaucoup. Donc ici on va faire tout simplement un clic droit nouveau et puis on va donner, on va créer la valeur des words 32 bits et puis on va la renommer. Donc toujours le système il est sensible à la classe, donc il faut faire attention au niveau de majuscule minuscule. Donc process. Alors, desktop process, on valide deux fois par entrée, comme ça la fenêtre va s'ouvrir, s'assurer qu'en quoi la base est bien en hexadécimal, et puis on va lui donner tout simplement la valeur 1, comme ça pour l'activer, pour activer le processus, comme ça l'explorateur soit géré par un autre processus indépendant. Il suffit de fermer la base de registre, redémarrer votre machine, et le tour est joué. Voilà, je vous dis à très bientôt sur notre prof.fr. Au revoir.